Bonjour. On va voir ici l'utilisation des boucles. Donc, par exemple, j'aimerais faire peut-être un carré à mon robot. Donc, je vais y aller peut-être avec 5 rotations à 100% de notre capacité. Par la suite, je veux qu'il tourne. Donc, je vais reprendre ici direction. Donc, je veux qu'il tourne sur lui-même. Donc, je vais y aller ici avec une rotation complète. Et j'aimerais qu'il répète ça un certain nombre de fois. Donc, c'est là que je vais tout simplement aller utiliser ici la boucle. J'entre à l'intérieur de ma boucle ici, qui s'appelle la ma boucle 01 pour l'instant, la première boucle. J'y demande de faire ici un compteur. Donc, je vais répète-moi ça 4 fois. Donc, ici, ma programmation, j'ai une boucle et à l'intérieur, mon robot va répéter 4 fois. Avance de 5 rotations, tourne ici mes roues, donc j'ajuste le tout pour pouvoir faire un carré ou répondre au défi. Donc l'utilisation des boucles peut être une façon de travailler dans certains projets avec vos élèves.